Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure sur Beyond Two Souls. Comme d'habitude, je tiens infiniment à vous remercier pour tous vos likes, ils sont nombreux, pour tous vos commentaires aussi, que je lis avec grand plaisir. N'oubliez pas d'éteindre les lumières, fermer les volets, c'est toujours mieux pour profiter un peu de l'ambiance du jeu, si possible un casque ou des écouteurs, vous connaissez la routine. Et bien évidemment, prenez de quoi boire et de quoi manger, c'est toujours plus sympa pour regarder un épisode incroyable comme celui qui va apparaître sous vos yeux ébahis. On est parti, fugitif, donc apparemment nous fuyons quelque chose. On était rentré dans la CIA, hein, on avait terminé la vidéo comme ça, l'épisode 2 comme ça. Donc là, on a l'air d'être dans un train, et on va voir ce qui se passe dans un train, ça a l'air totalement dingue. D'accord, d'accord, donc on joue directement Aiden si je fais triangle. Ça ne marche pas. Ok, je peux me déplacer. Ok, je peux pas aller à gauche. Ok, je peux me déplacer par contre comme ça. D'accord. C'est peut-être pour analyser la scène, ce qui va se passer. Il y a un sac. Alors quand il y a un sac sur des fauteuils et qu'il n'y a personne dedans. Ah si, si, il y a un mec en face, j'ai rien dit, autant pour moi. J'allais dire, ça sent jamais bon, hein, bien évidemment. Mais pourquoi il a pas mis le sac à côté de lui? C'est totalement ridicule. Est-ce que je peux ressortir? Simple curiosité. Wow! Ok, on peut ressortir. Bon, on va faire un petit travelling comme ça, horizontal. Ouais, ouais, c'est mon côté un peu réalisateur de films américains qui me fait dire ça. Et il y a du monde jusqu'ici, c'est plutôt classique. Tiens, là, il n'y a plus personne. Et l'écran devient... Ok, je peux pas aller plus loin. Donc, on va tourner dans le train. Ah, peut-être sur le toit, non? Non, je peux pas aller sur le toit. Ok, on peut pas aller sur le toit. Et de l'autre côté, on peut. Ok. On peut aller de l'autre côté quand même, d'accord. D'accord, il y a des choses à faire ou pas? Je regarde, hein. Je suis désolé. Ça paraît... Non, bon, écoutez. Ça paraît très bordélique, donc je pense qu'il faut rester ici. Ok, on a un chariot ici. Alors, je vois pas peut-être le fouiller. Non, juste le bouger. Faut savoir qu'Aiden a l'air d'être un... Un esprit un peu farceur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Un esprit malin. Ok. Lui, il est malade. Hein. Lui, il est pas bien. Ok. Bon, écoutez. On va foutre. Ah, d'accord. Il y avait rien à faire, en fait. Il y avait strictement rien à faire. Bon, j'ai embêté personne, écoutez. Je pouvais embêter des gens, je n'ai rien fait. J'ai pas éveillé de soupçons. C'est incroyable. Je pense avoir bien fait. Je ne sais pas vous. Peut-être que je serai récompensé à l'avenir. Je vois pas pourquoi j'embêterais des gens totalement gratuitement. Ah. Ah oui. Ok. Donc je dors toujours. Par contre ici il y a quelque chose. Et ici il y a même... On dirait que c'est pas près de ce qu'il y a. Pas mal de choses. La police de l'État, c'est une fille. Oui, c'est un sacré dispositif pour une fille. Hein. Top priorité. Ok, il y a un chien. Oh, le chien! Trop bien, il me voit. Alors, frérot? Ok. C'est la plus grande traque que j'ai jamais vue. Bah, attention, t'as pas vu grand chose, frérot. Là, je peux pas rentrer. Ok. Elle pourra pas aller bien loin. Y a pas grand chose à faire en soi. Ok, je peux pas aller là non plus. On est très limité par contre avec Aiden. Hein. Qu'est-ce qu'il y a peut-être me réveiller? Ok, je vais me réveiller avec la bouteille. Comme ça, je vais pouvoir voir les policiers. Aiden, la police. Écoute, je t'avais dit de... Merde. Bonsoir. Contrôle de routine. Ok, on se fait. Madame, retournez à votre place, s'il vous plaît. C'est elle! C'est elle! Ok. J'ouvre. Jusqu'ici, ça fonctionne. Ah putain, mais t'es con! Plus d'un geste! Police! Pourquoi tu t'es arrêté? Ok. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est moi qui dois la jouer en fait. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Je me suis dit, mais elle est totalement en con! Mais y'a rien au bout hein, d'un train. Hey, merde, 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 merde. Tout le monde à terre. Police. Ok. Oh, elle a perdu. Oh, j'ai perdu mon manteau. Ça va être terrible avec cette pluie.
Mec, il pense qu'à ça? Ça va pas? Ok, bon, j'ai foiré. J'ai totalement foiré, fallait lui mettre une patate. C'est pas évident sur le coup, hein. Faut réfléchir très très vite. Allez. Vite, Aiden! Brise la fenêtre! Je sais pas ce que tu tentes, ma grande. Là, ça va être chaud pour toi, pour moi, pour nous. Pour Amora, l'amour du goût. Ok, on secoue. Allez, ma poteau. Tu peux le faire. Mais non! Non! Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Non! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai foiré tellement de choses. C'est pas évident. Arrête-toi où je tire! T'es encerclé! Ouvre cette porte! Ok. Allez! Donc je peux me faire choper, hein. Je suppose que je peux me faire choper. Mais je peux aussi fuir, à mon avis. Ça peut changer beaucoup l'histoire. Voilà. Aiden a une force incroyable. Allez, ils vont pas rentrer à temps, putain. Ok, c'est bon. On est large. Enfin, on est large. Ok. C'est pas évident, hein, réellement, de faire les choses au bon moment. Oh, putain, c'est beau, là, par contre. On dirait un peu Uncharted 4, limite. L'effet de pluie. Bon, normalement, tu glisses 40 fois, à peu près. Bah, tu meurs, en fait, hein, littéralement. Hein, faut pas... Voilà. Non, mais les gars, les mecs, ils me chopent en Kinder Bueno, ça va aussi. Ah d'accord, merde, faut jouer, putain, mais mec, les gars, c'est terrible. Ils préviennent pas, ils préviennent pas. Prévenez, nom de Zeus. Oh, mais là, bon, il s'est relevé 4 fois. On est pas bien. Ok, lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Alors, les gars, vous êtes tous censés mourir depuis pas mal de temps, là, hein. Lui, c'est fait aussi. Allez, ça dégage. Oh là 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 là, c'est intense, hein. Voilà. Oh là 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 là. Le petit coup de sashimi, on l'appelle dans le milieu. Ah, il fait très mal. Ah, il peut couper ta respiration. Les gars, ça va, vous êtes combien? Garde les mains bien en évidence. Ok. Il nous faut des renforts, mais vite! Elle s'enfuit! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on canalise la force! Aiden! Rentre dans mon corps! C'est intense! D'accord, en fait, Aiden a fait un petit champ de force. Eh, c'est classique, les gars, c'est moi qui régale. Ça fait qu'on a pu sauter sans aucun problème. Là, s'il y a un putain de flic qui a réussi à sauter et qui atterrit comme moi, on coupe le jeu. Hein. On coupe le jeu, les gars. On va jouer à autre chose. Ok. Je suis écorché un petit peu. Oui, je sais. Il faut qu'on se tire d'ici avant qu'ils reviennent. Attends, un train, ça s'arrête pas comme ça. Ensuite, faut qu'il mémorise l'endroit où t'as sauté et tout. Ça va, t'es large. Ok, ils sont déjà là. Bon! Pas grave, je maîtrise entièrement la situation. Merde. Ok. Je crois que je vois. Ok, on me sème des embûches. On va passer par ici calmement. Cours plus vite. Bon, allez, je suis passé à travers une branche, c'est moi qui régale. Ok. Là ça va, là ça va. Mais c'est vrai que les scènes d'action, les gars, les scènes de combat, autant c'est intense, c'est méga cool, mais autant c'est pas évident de savoir s'il faut aller à gauche ou à droite. C'est un petit peu terrible, je vous avoue. Là ça s'accélère, hein, vous l'aurez compris. Ok. Ok. Faire des R1 L1.
pas évident. On tire dessus ou pas là? Ok, c'est bon. On est passé. Ah putain, c'est vrai qu'il faut tout faire. Ah bah les jeux Quantic Dream, c'est ça les gars, faut tout vivre hein. Parce que si tu te foires en fait, bah t'es enculé et il te rattrape. Et ça serait dommage qu'on ait fui et qu'on ait pris autant de risques pour se faire rattraper. Ah d'accord, là j'avais pas besoin de sauter, c'est très bizarre. Où je vais là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, les chiens ils ont pas pu traverser l'eau, déconnez pas les mecs. C'est pas possible. Ok, je saute par précaution, mais j'ai pas l'impression que ça sert à grand chose. Je sais pas du tout où il faut aller. Pas du tout où faut aller. Quoi? Ok, je crois que j'ai fail. Hop, ça dégage. J'adore les chiens. Mais là, faut pas abuser. Oh, je suis désolé. Ah oui, mais en fait... Genre, t'as zéro pitié, en fait, pour les... Tout ce qui est canin... Oh là là. Désolé, les gars. J'adore les chiens. Ah bah, c'est l'amour fou, hein, vous le voyez. Ok. C'est pas évident de savoir si on doit fracasser la touche, juste appuyer une fois, rester appuyé... Faut vraiment faire gaffe aux signes, c'est du full QTE certes, mais... On va pas se mentir que c'est du bon QTE, quoi. Où est-ce qu'elle est passée? Ok. C'est tu vois quelque chose? Oh là là, les gars, vous me faites un mélange de touches. Là, si un chien me rattrape, je ne comprends pas. De lumière par ici. Ok, ça va, j'ai la gueule du rocher. Putain, j'ai failli me gourer de touche. Ok, on a fait un sans faute sur l'escalade. J'espère être récompensé à l'avenir. Ok, maintenant faut rester appuyé. Tu vois quelque chose? Il n'y a que des rochers. Non, elle aurait jamais pu grimper là-haut. Je suis devenu un caillou. Merde! On a dû la rater! Non mais, Travis, là, rappelle-moi tout de suite, c'est ça le prêt de Clébard! Après, c'est vrai que dans la nuit, il fait genre vraiment nuit. Normalement, tu vois même pas comme ça. Hein. Je tiens à vous le dire, voilà, écoutez, c'est un peu. Ah, j'étais photographe professionnel, hein, tout ce qui est ISO et tout, je connais les ISO. Voilà, bon, on va pas. J'aime pas trop tergiverser là-dessus, c'est vrai que ça me rappelle un passé assez terrible, mais bon. La nuit, je peux vous dire qu'on voit pas comme ça. Mais il y a trois voitures de flics devant toi, par contre. Tu vas faire quoi là? Je comprends pas. On va aller essayer de les taquiner. D'accord, je peux pas aller trop loin, de toute évidence. Peut-être par ici, non? Yes, passer en dessous. Oui, vas-y, Aiden. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas soulever les voitures? J'en ai ma claque de toute cette pluie. Putain, on dirait que c'est pas prêt de se calmer. Ok. Y'a rien à faire dans les voitures. Une moto. Qu'est-ce qu'il faut? Où tu vois une moto, ma soeur? Mais moi je l'ai pas vue. Attends, les gars. L'hélicoptère là-bas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Là je fais quoi? Je le dépossède de son âme? Ah oui! D'accord, c'est un nouveau gadget ça, on apprécie. Ok, vous savez quoi, on va s'éloigner. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce que je peux faire un peu de kung-fu ou pas? On va faire ça. Attendez. D'accord, je regardais le coffre hein, quand même. Okay. Oh là, mec. Mec, tu vas te faire virer de ton boulot à cause de ça?
Putain, Mike! Qu'est-ce qui te prend? Quoi, t'es cinglé? Pose-moi tout de suite ce putain de flingue! Je suis totalement fou, je tire dans le ciel! Tu peux me dire ce que tu fous là? Ok. Putain, encore du QTE. On n'a pas le droit de se gratter le cul, c'est improbable, les gars. Te gratter le cul, le nez, c'est pas possible. Ok, on fuit. Et ouais, les gars, ça sert à quoi de passer le permis moto de nos jours? Ok, faut rester appuyé. Oh là là, je sens que ça va être terrible. Je sens que ça va être terrible. La maniabilité est assez hard. Je vais me prendre un truc. Je vais pas être prêt. Allez, pas d'accident, déconne pas. Ok. Ok. Sans faire l'américain, les gars, la maniabilité est pas évidente. Hein. Putain, mais c'est moi qui continue de conduire. Oh, ma vie est nulle. Ok. Les gars, je ne vois rien en fait. Là, c'est moi qui conduis, les potes. Hein. Mec, ça va trop vite. Mais c'est totalement fou. Comment se met un hélicoptère? Les gars, j'aimerais avoir la solution. Ok, là ça va être chiant. On prépare le QTE, personne sera prêt. Ah, pas du tout. Ils sont partout les mecs, il y a tout le pays pour mes côtes. Donnez votre position. Non, c'est pas censé être mon frérot lui. Pas le choix. On va devoir passer tout droit. T'es prêt, Aiden? Non, personne n'est prêt, là. On y va. Personne n'est prêt, personne n'est prêt. J'ai besoin d'aide tout de suite. Personne n'est prêt. À couvert. Oh, le mec, il tire une balle, ne tirez pas! On l'a loupé. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît! Je répète, on l'a loupé, elle va faire péter l'arme. D'accord, ok, très intense cette séance en tout cas. Alors pourquoi on fuit alors qu'on travaillait à la CIA? Je ne comprends pas, mais on va très vite le savoir, je pense, je suppose. Ok, bon. Groupe 3, en position. Vous êtes encerclés. Sortez les mains en l'air et il ne vous sera fait aucun mal. Si je cherche vraiment les emmerdes, je vais les trouver. Occupe-toi de Aiden. Ok, on va soulever des petites zouzes. C'est parti. Alors toi, frérot, écoute, je t'aime bien. Mais je vais devoir te posséder. Parce que t'es le mec à l'heure actuelle le plus dangereux, je pense. Non, saute pas. Non, fais pas le con. Allez, je m'en bats les couilles. Ok, un mort. Un mort. L'hélico maintenant. Je pense qu'il doit être bien relou. Ok, on peut pas. Excuse-moi l'hélicoptère. On a quoi là? On a quoi? On a quelque chose. Lui. On a lui. On va l'étouffer sans aucune putain de pitié. Oh, je sens quand même des pouvoirs obscurs en moi. Ah mais mec, en fait, tu tues en fait. C'est pas gentil. Ok, il y a un autre snipe. Qu'est-ce qu'on a là? Matt Callaghan. C'est fini, Agent Hall. Alors rendez-vous. Allez, ça dégage. Pas le temps pour vos conneries. On va le posséder lui. Je suis sûr que j'aurais pu faire sans tuer personne, mais vous savez quoi?
quitte à être dans la violence extrême. Ils m'ont provoqué. Non, non, non. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas, les gars. Je peux pas. Putain, c'est trop tard. Allez, hop. Ça dégage. Ça dégage. Ils m'ont provoqué, je suis désolé. J'aurais pu faire sans violence grâce à la voiture. Ah, je suis sûr qu'on débloquait quelque chose, mais... Elle l'a dit, ça m'a fâché. Il nous faut une ambulance. Appelez, il fasse quelque chose. On va le posséder, lui. Elle se rendra jamais. Qu'est-ce que ça ? Ne tirez pas ! Ah ! La violence extrême ! Bah là, les gars, les âmes, elles sont parties. C'est terminé. Hein. C'est terminé pour ces joueurs, malheureusement. Franco-brésilien. Ok, il reste eux. Alors, eux, comment on peut les faire ? Je pense pas que soulever un camion. Elle me frappe pas. Ok, lui déjà. On va l'étouffer. Les gars, au point où on en est, autant faire un massacre, hein, je vous le dis. De toute façon, c'est des salopes. Ah d'accord, on peut plus le posséder. Alden, il est invisible. Empêche-les de m'atteindre. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Ok. La porte ! Alden, je peux pas entrer. Je m'en occupe. Ok. Pas évident. C'est pas la con. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, vas-y, faut y aller, ma soeur. Ah, c'est pas la meilleure des planques. Tu veux que je t'aide? Je peux ressortir. Ouais. Il se rapproche. Vite, il faut que tu m'aides. En position. À couvert. Ok. Ils vont m'attraper. Allez, Aiden, aide-moi. Je t'aide comment? Je t'aide comment, ma soeur? Je comprends pas. Je t'aide comment? Je t'aide comment? Ils vont entrer. Allez, je t'en supplie. Je t'aide comment? Fais quelque chose, Aiden. Go, go, go. Ma soeur! En position. Je ne comprends pas. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Ma soeur, je... Je suis pas un bolos, mais je comprends pas, là, en fait. C'est chiant, mais explique... Faut que tu descends, l'hélico. Et ben voilà. Mec, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. Dépêche-toi, Aiden. Ah non, mais les gars, je suis désolé, mais là... tu peux pas deviner, en fait, parce que tout à l'heure, j'ai essayé de l'atteindre, je ne pouvais pas l'atteindre. Donc comment veux-tu deviner que maintenant on peut atteindre l'hélico et faut s'en occuper? Là c'était un peu con. J'étais con aussi, mais là les gars, mettez-vous à ma place. Par simple déduction, je me suis dit, ça serait ridicule de retourner sur l'hélico. Allez, bien joué. Bien joué à moi. Ah bah toujours se féliciter, même si ça a été un peu long. C'est vrai que c'était un petit peu délicat, je vais pas vous mentir. On a foutu le bordel, hein. L'heure de me foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. On y va, Aiden. Je crois qu'ils ont compris le message. Ouais. Alors, si on pouvait faire cette scène sans tuer personne, je serais quand même sacrément curieux de savoir comment. Peut-être en bougeant tous les véhicules comme je l'ai fait ou autre, mais rien que le sniper qui était en ligne... Je sais pas, je sais pas. Après, c'est peut-être juste pas probable aussi. Hein. C'est vrai que c'était pas évident. Honnêtement, c'était pas évident. Alors, enfui dans le train, comme 82% des gens, c'est mon cas. Donc, c'est pas une voie non empruntée, c'est mon cas. Je me suis enfui dans la forêt, comme 77% des gens. Attrape-moi si tu peux, ok? Ville détruite, comme 98% des gens. Ça veut dire que j'aurais donc pu ne pas détruire la ville. C'est très bizarre, il y a 2% qui ont réussi à ne pas détruire la ville, je ne sais pas comment vous avez fait. Sur le toit du train, par les toilettes, ok, donc c'est un peu moi, c'est vrai que c'est un petit peu mon côté, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et enfui à moto, à 90%, c'est-à-dire qu'il y en a 10
qu'ils n'ont pas pu s'enfuir en moto. Donc je sais pas, ils sont enfuis comment. 65% sur le toit du train et par les toilettes. Bah mine de rien, on est quand même dans la majorité, mais pas tout le monde, pas tout le monde. Hein. Allez, on est parti, amis imaginaires. Je pense qu'on revient dans ma tendre enfance encore. Donc là, en fait, je suppose que jusqu'au prologue, c'est la timeline là, hein, qu'on a là. Hein. Donc on a quasi tout fait de cette première timeline. Il y en aura une autre après, évidemment, après le prologue.